Bonsoir à vous. Normalement, vous êtes sur les channels de Wood Résolution, là où nous allons traiter cet exercice de mécanique. OK? Donc, une automobile accélère de façon constante. OK? L'accélération est dite constante à partir du repos. OK? Jusqu'à la vitesse de 30 mètres par seconde en 10 secondes. Elle roule ensuite à vitesse constante. Ok? On nous demande de trouver l'accélération. Donc, avant, nous dit que comme donné nous et que nous gagnons une position initiale. À partir du repos position si x0 est égal à 0, accélération dit nous le constante, mais au moins de nous va gagner. Ok, nous considérons que li au repos dans un temps t0 égal à 0. Nous dit que vitesse initiale li égale à 0, vitesse finale li égale à 30 mètres par seconde qui demeure constante. Ok, li te atteint vitesse ça dans un temps de 10 secondes. Ceci dit que l'accélération est égale à vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial, d'où intervalle de temps. Ok, ceci implique que l'accélération est égale à 30 mètres par seconde moins 0 mètres par seconde sur 10 secondes moins 0 seconde. Ceci nous donne une accélération de 3 mètres par seconde carré. Donc c'est ça qu'on demande, non? Nous jouons accélération. Donc on est qui égale à la variation de vitesse sur variation de temps. La distance qu'elle parcourt pendant l'accélération. Distance que l'on parcourt pendant l'accélération. Ok, normalement nous connaissons que on a donné ça, on a gagné une vitesse initiale qui est égale à 0, on a gagné une vitesse finale qui est 30 mètres par seconde, on a gagné un temps qui est 10 secondes, en plus nous avons une accélération qui vient augmenter qui vient 3 mètres par seconde carré. On était seulement comme inconnu distance là que on m'a dit nous c'est x. Donc pour nous jeune x, on a posé équation position qui dit que x est égal à x0 plus 1 demi V0 plus Vx par temps. Ok? Nous avons une équation, ça, qui c'est l'équation position hein, que nous posons là. Ok? On dit que x égale à x0 t0 plus 1 demi V0, 0 plus V initial de 30 par T de 10 secondes. Donc nous avons X0 qui est égal à c'est 30 par 10 par 1 demi qui nous donne 150 mètres. Donc, distance que le parcourir pendant l'accélération. C'est une distance de 150 mètres.
Okay? Il est parcouru en distance de 150 mètres pendant cette accélération. Ok? Okay. A remarqué que on a utilisé équation position ça. Ok? Équation position ça lui-même que nous avons utilisé li pa yon. Li pa yon big deal pour que ça c'est parce que nous avons essayé de faire une petite démonstration pour montrer que normalement, nous sommes habitués. Nous connaissons que. Ok? On sait que. Variation de vitesse. Ok? Sur. Variation du temps. À partir de l'origine, on seulement écrit comme ça, il est égal à accélération. Ceci implique que vitesse finale moins vitesse initiale est égal à accélération par temps. Ceci dit que vitesse finale est égal à vitesse initiale plus accélération par temps. Là, nous gagnons formule vitesse là que nous cajons. Si que nous gagnons vitesse initiale et accélération que nous gagnons. Ok? Donc, à noter que accélération ça, nous qu'on habitué à gagner, nous qu'on voit que nous avons une équation de la forme x est égal à x0 plus 1 demi. Ok? Plus 1 demi à t carré. Plus V0T. C'est pas ça? C'est qui boit l'icône? C'est accélération ça, mon capoté l'inéa. Et puis après, m'a tombé là sans problème. Ok? Si j'essaie de porter ça, la bombe X0 plus 1 demi VF moins VI sur T par T carré. Plus V0T. Ceci dit que x est égal à x0 plus t carré après ton seul t. Donc, on a bien c plus VF moins VI par t sur 2 plus V0T. Ok? Plus V0T. On voit que x est égal à x0 plus 1 demi facteur de VF moins VI par T. Et VF moins VI par T plus V0T. À noter que V0 ça a le même c'est VI toujours. Ok, c'est V initial que nous cas essayer faire entrer. Donc pour nous faire l'entrée, c'est simple, absolument entrer là x0 plus 1 demi VF T moins 1 demi VI T plus VI T. Ok? A noter que nous avons 1 demi VI T. L'emgue VI T moins 1 demi VI T. La bas moins VI T. Donc, nous avons que X est égal à X0 plus 1 demi V final par temps plus V initial par temps. Ceci est égal à X0 plus 1 demi facteur de VF plus VI T.
par temps, d'où ce qu'il fallait démontrer. Donc, on vient de démontrer que à partir de cette équation, okay, à partir de cette équation, on peut trouver celle-ci et vice-versa. Okay? Il suffit de substituer la vitesse, ok, de substituer l'accélération dans cette équation-là pour trouver celle-ci. Ok, donc c'était juste une démonstration pour nous éclaircir. Nous donc on continue avec l'exercice là. Donc nous voyons que nous te joignons ça. Nous étions seulement pour nous répondre avec question CA qui nous dit que de chercher la distance qu'elle parcourt pendant que sa vitesse passe de 10 mètres par seconde à 20 mètres par seconde. Normalement, ça m'a dit nous, multi-classe analyse de ça veut dire nous. Dans un premier temps, on te dit nous que c'est un automobile qui a vitesse, qui a accélération constante, que nous avons une accélération qui est égale à 3 mètres par seconde carré. On te dit nous que il était sorti de au repos à accélération constante, côté que le devine atteindre une vitesse de 30 mètres par seconde, que l'été gardé li constante. Donc, on a demandé moins pour une distance, côté que l'été 10 mètres par seconde, elle a une vitesse de 10 mètres par seconde, il passait de 10 à 20. Ok, c'est-à-dire, c'est avant le début 30 ça, dès que l'été gagne accélération constante là, vous l'êtes tombé là, vous l'été gardé le constant, qui distance n'était pas courue pour le point variation de vitesse. Donc en gros, lit facile, qui ça nous a fait à noter que variation de vitesse ça qui a pas les mêmes lit pas pour un lit. Ok, variation de vitesse ça, on a dit que là tout problème n'a qu'une défaite. On te dit ça, c'était origine, ok. On te dit que noté à l'origine, ok, côté que automobile ça lui-même était accéléré constamment, il était en accélération constante, ok, à partir du repos. Ok, côté que tu atteignes une vitesse de 30 mètres par seconde, n'ayant distance X est égal à 150 mètres. C'est ça, on te calcule. On te calcule distance est égal à 150 mètres en vitesse de 30 mètres par seconde. Donc c'était ça. Question c'est à lui-même qui ça dit nous. Cette distance qu'elle parcourt pendant que sa vitesse passe de 10 à 20. C'est-à-dire que nous pouvons dessiner dans l'instant côté que le terre fait une variation de vitesse 10 à 20 que nous supposons était là. Ok? Nous dit de origine à là, nous gagnons ça. Bon, dans le cas d'exercice x0 pour nous, mais par contre, mais x0 c'est l'étape demandée pour nous, ta l'étape demandée pour nous, ta fait un premier exercice côté que vous devez chercher équation position de origine par rapport avec côté le tatin vitesse 10 là. Après ça, vous devez faire une
du côté là, t'as une vitesse juste là, on t'a voté là. De telle sorte que vous ne décalez une position ça, lorsque le gars atteint une vitesse 10 là, vous ne décalez une ni vous ne décapotez une distance ça. Ok? Donc, là, ça nous a bien deux équations position qui tapent tous deux gain comme inconnu T. Ok? Ils étant, tous deux tapent gain inconnu T. Là, on a besoin qu'on quitte un des points pour te sortir à l'origine pour te atteindre une distance de 10 mètres par seconde. Là, on a besoin qu'on quitte un des points pour te atteindre une vitesse de 10 à 20 mètres par seconde. Donc, nous avons un facteur temps qui t'a connu, qui t'a commun entre eux. Donc, pour cela, nous allons seulement utiliser l'équation qui indépendant du temps qui égal à le par variation x. Variation x est le même que nous dit, que c'est le même moment de nous qui c'est distance. Donc, vitesse finale, nous dit la partie c'est 20 mètres par seconde au carré. Vitesse initiale là, c'est les sorties de 10 plus 2 par accélération que nous connaissons déjà, constante par distance. Distance là lui-même, lui égale à, c'est que ça, c'est 2 par 3, 6. Bon, on dit 6 fois distance là, lui égale à, c'est 20 au carré moins 10 au carré. Ok, 20 au carré, il nous donne 400, moins 10 au carré, il nous donne 100, donc 400 moins 100, nous donne 300. Ok, ceci dit que 300 à diviser par 6 nous donne une distance de 50 mètres. Ok, donc vous remarquez que dans une distance de 50 mètres, variation de vitesse là, t'es variation de vitesse de 10 à 20 mètres là, elle était faite. Donc en gros c'est ça. Et on va rencontrer dans l'autre vidéo pour nous continuer avec l'autre exercice. Donc merci. On a toujours demandé abonnez-vous avec nous en façon. Non seulement pour rater vidéo, ok, pour comprendre plus exercice possible. Donc merci.